Julian Assange annonce qu'il se rendra à la police britannique en cas d'arbitrage défavorable de l'ONU. Le fondateur de Wikileaks sortirait alors de l'ambassade équatorienne de Londres, où il s'est retranché depuis 4 ans. Un groupe de travail des Nations Unies doit dire prochainement s'il est ou non victime d'une forme de détention illégale. Ils sont en train de prendre une décision, explique le ministre des Affaires étrangères de l'Équateur. J'ai même entendu qu'ils auraient déjà informé des pays intéressés, que la décision sera rendue publique dans quelques jours, mais cela suscite beaucoup d'attentes. Julian Assange s'est réfugié en juin 2012 dans l'enceinte diplomatique équatorienne pour se soustraire à un mandat d'arrêt européen qu'il estime politique. Il est accusé de viol en Suède et craint d'être extradé aux États-Unis.